Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière manager. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti d'épisode, j'étais pas mal occupé, j'avais pas mal de boulot et j'ai des projets à côté aussi qui me prennent un peu de temps. Donc du coup j'avais pas beaucoup de temps libre et du coup là on est reparti, de toute manière c'est la fin de FIFA, donc on va essayer tranquillement de terminer nos carrières pour cette fin de FIFA. On en était où? On allait jouer contre Leicester, qui est sixième, juste derrière nous, deux points derrière nous. Et après, par contre, là, c'est notre objectif numéro uno, cette Europa League. Match face à la Lazio, match aller, on verra bien comment ça tombe. On a déjà joué ce premier match contre Leicester. On va laisser l'équipe une, je crois qu'on a 3-4 jours de repos, donc ça devrait le faire. Ils ont Peter Schmeichel, toujours dans les buts. Saka. Le petit Saka d'Arsenal qui est là. Ah, Martinho qui est toujours là aussi. Rafa Mir en pointe. Koksou là, je sais pas trop qui c'est celui-là. We got Koksou! We got Koksou! We got Koksou! On va bien voir ce que ça donne. Et puis bon, on est parti pour ce match. Allez, on est parti. Premier match, tranquille. C'est le match avant la Coupe d'Europe. Bon, après, ça reste un match important parce que on joue tout de même. On joue tout de même contre une équipe qui est... Oh là, la faute, monsieur l'arbitre. Rien du tout. Ok. Oh, c'est nul, ça. Gros Abel. Bon, oh, direct, comme ça. Ah bah, le match est pété, là. Rouge. Oh là là, Clark, on va avoir besoin de toi. Je laisse le trou, hein. Je laisse le trou à droite, on va tenter de jouer comme ça. Faut pas qu'ils attaquent trop sur le côté gauche, quoi. Enfin, le droit de la défense, mais leur côté gauche à eux, quoi. J'arrête de tacler aussi. Hein. Enfin, ça joue bien. Hein. Ça joue bien. Hein. On a vu. Allez, on reste solide défensivement. Ah, c'est sur Asensio, pardon, sur Minxon. Minxon, n'importe quoi, c'est Sangbin, Flo, suis aussi, toi. On est-tu là? Je suis en plein dessus, plein fer. Hein. Allez, Cole Will. Bien joué, les gars, bien joué. Faut rester solide. On a beau jouer à 10 contre 11, je sens qu'on peut faire l'exploit. Hein. Oh oui. Allez, Tyler. Il est plus rapide. Il a le physique. Pardon? Il a le physique normalement, Tyler. Il pèse 100 kilos. Allez, on écarte. Sangbin pour Mixon. Tout est dans le contrôle. Magnifique. Tu passes. Il arrive lancé. Malheureusement, c'est pas assez fort. Il fait un tacle glissé là. Il s'agit du premier but en faveur de Manchester United. Ah oui, on met le pied. Par contre, défensivement là, incroyable. Solidité énorme. Aïe. Ah, par contre, de ce côté-là, on a un petit souci. Non, monsieur l'arbitre, on a déjà pris un rouge, tu siffles pas ça. C'est épaule contre épaule, monsieur l'arbitre, il tue le match. Croisé. Wow. Rafa Mir qui marque ce but, 1-0, il marque au pire moment. On était un peu mieux qu'eux, en plus de ça, je suis dégoûté. Bah oui, le compte favorable, énorme ce compte favorable. Ouais, ce match il est mort, quoi. Ah, Leicester qui va nous doubler. Je suis dégoûté. Peut-être en contre-attaque comme ça. Oh non! Mais sérieux, mais j'ai pas de chance. Dans la course, il part au but. Oh là là, c'est 2-1 ça. On n'a pas de réussite, on perd 2-0 à la mi-temps. J'attends pas grand chose de cette deuxième période, on va beaucoup courir après le ballon. Voilà. À part un miracle, à part qu'ils prennent un rouge, et encore même avec un rouge, on a deux buts de retard, ça va être dur. Contre-attaque avec ce ballon. Le contre qui se rapproche du but. Ouais, bien sûr. Oh, le but. Saka, la vitesse de Saka qui fait la différence. 3-0 à 10 contre 11. Horrible. Fin du match. Oh, c'était un match impossible à gagner. À partir du moment où on prend le rouge, on est mené derrière. C'est très très dur. On prend 3-0. Je vais me venger
face à la Lazio, je vais tout donner, vous inquiétez pas. Il faut absolument gagner ce match de Coupe d'Europe parce que là c'est critique. On est parti pour ce match tant attendu. Match très très important face à la Lazio. On s'est craqué contre Leicester. Ils ont une équipe... Fabian du Napoli au milieu de terrain, Van de Beek de Manchester United, Milinkovic toujours là. Williams, ça doit être Iñaki Williams, l'Espagnol. Marcus Edwards à droite, le gaucher anglais. Matip de Liverpool. Ouais, ça va être chaud. Bon, nous c'est du classique. En espérant retrouver un grand Sangbin, ce serait bien que Sangbin plante. On va avoir besoin de toi, frérot. De toute l'attaque même. Allez, les gars. Parti, allez, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est la Lazio. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, ça joue. Ça sort peut-être. Pas du tout. Lui, il faut se dire qu'il a que un pied gauche. Il va tout le temps repiquer pied gauche. Enfin, repiquer dans l'axe. Tu vas où, tu vas où, tu vas où. Ouais, il y a une contre-attaque là. Et ouais, Marušić qui était monté très très haut. Allez, Tyler. Oh, le physique. Oh là 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 là, il a reçu à revenir. Tyler qui a plus de 95, enfin plus de 90 de vitesse. 100 kilos sur la balance. Et Marušić, l'autre 38 ans, qui arrive à revenir quoi. Fabian, oui, idéalement ça. Quelle occasion. Il va falloir se réveiller. Il va falloir que je me réveille parce qu'Iñaki Williams, il va pas en rater 4 des occasions comme ça. Quelle maladresse quand même. J'avais une bête. Je te jure, j'avais une bête. Ouais, pff, Clark, merci. Ouais, j'avais une bête sur le bras. Oh, je joue mal, je joue mal. On sort plus de notre camp, on sort plus de notre camp. La Lazio qui pousse de ouf. Oh là 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 là, mais Clark. Merci, capitaine. Oh, c'est peut-être grâce à toi. Allez, Mingson. Attention, ça peut devenir intéressant. C'est contre le cours du jeu. Je dis pas le contraire. Ok, on a de la réussite. Hold up parfait. Contre-attaque. Et par contre, on était ultra dominé. Voilà, je suis en angle fermé. À part tenter un lob qui vient mourir dans le petit filet, je peux pas faire grand-chose. Une grosse frappe croisée, mais je pense que je tire sur le gardien. Donc je tente le lob. C'est le bon choix. Et Mingson qui débloque ce match 1-0. On peut remercier Clark pour l'instant qui est juste MVP du match là. Il a fait au moins 3-4 arrêts. Et des arrêts genre tout seul face au à l'attaquant. Par contre ils sont meilleurs que nous là. Putain. Ouais, je vais rien dire parce que c'est mérité. Mais voilà, ça fait mal. Tout de suite après avoir marqué, ils égalisent tout de suite derrière. Fabian qui nous claque une frappe de 25 mètres. C'est même pas une frappe puissante en plus. Hein. Ouais, c'est un plat du pied. Feuille morte à moitié. Allez les gars, on remet le pied sur le ballon un petit peu. On se calme. Eh oui, il va forcément revenir sur son pied gauche. Super. Ça c'est super ça. Il est hors jeu. Boum! Il est là notre buteur, notre Sangbin national. Mais oui, 2-1, on reprend l'avantage. Allez. Ah, la passe vraiment bien dosée. Ah, et puis là, belle frappe pied gauche au premier poteau. Allez les gars. Oh là là, non, la réussite. Bien joué Clark. J'avais taclé pourtant, j'étais dessus. Allez. Oh, c'est généreux, mais ok, ça marche. La joie à deux encore. C'est quoi ça? Sors. Bien joué, la communication Clark. Hop là, petite relance pour Lucas Digne. Ouais, Iñaki Williams, le mec, il va à 300. On va calmer un petit peu. Oh ah, il faut un pressing énorme. Hein. Bien défendu. Très très bien défendu. Il faut un pressing énorme, les joueurs de la Lazio. J'ai jamais vu ça. Je ne peux pas sortir, je peux rien faire.
En vrai, c'est mérité. Bon, mi-temps, j'ai pas réussi à garder ce petit but d'avance. Toujours, il y a 2-2 du coup. Ils sont revenus. Mais il y a la place. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ouais, il perfore la défense. Oh, Sangbin! Ah, ouvre ton pied! Ouvre ton pied! Il est juste trop fort, Sangbin. 3-2! On reprend l'avantage encore une fois contre le cours du jeu, mais on est très très réaliste dans ce match. Et ça fait du bien. En fait, il accélère, en fait. C'est même pas un coup de chance. Je pensais que j'avais un compte favorable, mais non. C'est juste qu'il a accéléré tellement vite, Sangbin, que. Et puis derrière, il ouvre bien son pied. Oh, c'est parfait. C'est parfait. On reprend avantage. Allez, un petit 4-2, je signe. Un petit 4-2 avec un triplé de Sangbin. Protection de balle. Oh, Lucas Digne. Oh, Lucas Digne. Bien joué, frérot. Au deuxième, là-bas. Oh, il sautait plus haut que tout le monde, Asensio. Dommage. Autant, les gars, si on a un seul match à gagner dans la vidéo, c'est celui-là. Donc, ça me va pour l'instant. Il y a 3-2. On est bien. C'est pas fini. Il s'avance vers la surface. Aïe, aïe. Je le rattrape pas, le Moreau, là. Oh là là. Oh là là. Ah non, mais il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire, Clark. Il est totalement abandonné par sa défense centrale. Il se fait fusiller. Oh, ce match, quoi. Fin du match. J'ai même pas pu faire mes changements tellement... tellement c'est allé vite en fin de match. 2-2. Tout reste à faire. On a été un petit peu dominé. Après, on n'était pas chez nous. Hein. 3-3. 2-2, n'importe quoi. 3-3, pardon. 3-3 à l'extérieur, c'est pas un mauvais résultat. Tout reste à faire à la maison. On est parti. Ça changera automatiquement Walker. Ça me mettra Morchenko, j'espère. On est parti pour ce match contre Manchester City. Nous, on a fait tourner. Il y a juste une Linkson. Malheureusement, on n'a plus Karamoko pour faire tourner. Je pensais à ça, mais c'est vrai que. Remplacer automatiquement les joueurs disponibles. C'est vrai que j'avais dit qu'on le mettrait Hugo Lloris pour les matchs de Coupe d'Europe. Mais quand je vois les performances de Clark est vraiment pas mauvais. Il commence à être vraiment bon. Je sais pas. A voir. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez qu'on mette Hugo Lloris quand même en Coupe d'Europe. Ou si on laisse Clark. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais ça m'a remis l'équipe 1. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais mettre l'équipe bis pour faire tourner. Du coup... Ça va peut-être vous faire plaisir, mais on va aller direct vers le résultat. Et du coup, à la place de jouer ce match contre City, on va jouer le match retour contre la Lazio. Vous allez avoir, bon, éliminé 3-1. Vous allez avoir la double confrontation pour savoir si on va plus loin en Ligue Europa ou pas. Ça va être chaud, mais je sens qu'à domicile, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose, on a 3 jours de repos. J'espère que l'équipe 1 va être en bonne forme. On verra bien, mais j'ai un petit peu peur. Ça va, en vrai ça va, ils sont en pleine forme. De notre côté c'est du classique avec Sangbin en pointe, Linkson et Tyler sur les côtés, Asensio en 10, Azevedo, Gorosabel au milieu de terrain, Lucas Digne, Cole Willamaral, Walker et Clark dans les buts. De leur côté ils ont Dani en pointe, ok. Moreau à gauche, Edwards à droite, Fabian, Escalante et Milinkovic toujours là au milieu de terrain. Matip en défense centrale, ok. Ok, ok, bon, bah on est parti pour ce gros match, ce choc contre la Lazio. 3-3 à l'aller, match retour à domicile. On va faire le score. Allez, les gars, allez, c'est maintenant ou jamais. Hein. Ils prennent le jeu en main hein, du côté de la Lazio. Quoi ? C'est bon, Clark, bien joué, Clark. Dans l'axe. Sangbin. C'est bien joué ça. Oh dommage, il a pas suivi. Marco Asensio. Un bon ballon d'attaque. Il y a pas hors-jeu, arrête de lever ta main, il y a pas hors-jeu. Oh non. Ok, Kyle Walker est rapide. C'est bon. Lui aussi il est rapide mais ça va. On met le pied. Il y avait quoi là ? Magnifique. Ça c'est bien joué ça. Gorosabel. Pour Sangbin ! Encore et toujours lui. Sangbin ! 1-0. Mais oui Sangbin, c'est toi. Trop fort.
sortie du but. Magnifiquement bien joué de la part de Gorosabel de monter comme ça. Contrôle de la tête, mon gars. Boum. Allez, 4-3 sur le cumulé de matchs. On respire un petit coup. Ça fait du bien. On va placer une flèche. Ouais, bien sûr. Quoi? C'est un adversaire qui récupère. Allez, digne. Il est passé. Mauvaise relance. On repart propre, on repart propre. Attention à la frappe. En deux temps, mais ça va. Très, très bien joué, Clark. T'es pas hors jeu, hein? Il y a Sangbin qui arrive lancé. Oh oui. Il l'a vu. Sangbin qui arrivait lancé. Coup de fusil. Direct. Accélération d'Asensio. Il s'arrête. La petite passe et boum derrière le coup de fusil de Sangbin. 2-0. On joue pas superbement bien, mais on est efficace. On est terriblement efficace. On est à domicile. Et pour l'instant, ça fait 5-3 sur le cumul des deux matchs. 10 buts en 8 matchs. Ouais, non, mais il est incroyable, Sangbin, cette saison. Lui, il va retourner sur son pied gauche. Voilà, il sait rien faire, pied droit. Il va pouvoir relancer maintenant. C'est parfaitement. Il n'est pas sorti. Ok, ça va. Il n'y a rien. Oh là là, comment relancer un match. Ouais. Il l'a balayé. Ok. Croisé. Et non ! Il est tu ! Oh là là, il a failli se l'emmener, Tyler. Dommage. Ok, toujours 2-0. Oh, il fait du bien cet arrêt sur penalty là. Oh là 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 là, ça aurait pu être. C'est un autre match là. 2-1, c'est pas le même match. Hein. Ils sont tous devant. Hein. Ça passe, hein. Waouh ! Danny qui se retourne. Pareil, coup de fusil sous la barre transversale. Clark qui peut rien faire et le match est relancé à 2-1. Ah, j'aurais bien aimé rester à 2-0 à la mi-temps, mais bon. Allez, on a encore de l'avance. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Le gardien qui repousse. Clark, on est en vie grâce à toi, Clark. Une minute de plus maintenant. Oh là 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 là, ça joue à rien! Oh là 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 là, c'est soit on met le 3-1, soit ils reviennent à 2-2. Bouge de là, toi. Oh là là, première période compliquée. Hein. Première période compliquée, on mène 2-0. Ils reviennent à 2-1. Heureusement qu'il y a la mi-temps parce que là, ils avaient un temps fort quand même, hein, les joueurs de la Lazio. Allez, deuxième période. 5-4 sur le cumul des deux matchs. On est devant. Pas de stress, pas de panique. Il y a des occasions de contre-attaque qui vont être obligés de prendre des risques. Bien joué, Azevedo. Oh. Attention, la contre-attaque. Oh, j'ai pas. Oui, j'ai pu. Le numéro qu'il nous fait et ça va être dangereux. Elle est bizarre, ta frappe, Hummingson. On appelle quelqu'un. Et paf, en fait, on joue au premier poteau. Pour Amaral. On met jamais de tête, jamais de corner. Et dans les moments importants, il est là, Amaral. Il vient claquer son coup de crâne, là. Et puis elle est belle, hein. Ouais, elle est belle, magnifique. Bien joué à toi, Amaral. On reprend deux buts d'avance, ça fait du bien. 3-1. Ah, il est très très important ce coup de test. Coup de casque. Oh là 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 là, il m'a découpé la cheville. Pas de carton. Bien sûr, Joël, bah oui. Et Tyler. Ouais, viens flirter, elle touche le filet extérieur. Allez, pas passer loin celle-là. Bah après, je pense que le gardien est peut-être dessus. Ouais, je pense que le gardien, il l'a juste accompagné. Il semblerait que l'AC Milan envisage de se renforcer. Ses dirigeants auraient fait une proposition à un club. On imagine qu'il y a des discussions passionnées. Oh là 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 là, pas de faute. Ok. Allez, on relance sur Tyler. Oh, bien joué. Oh, ça va être dur. Digne. Oh, la réussite. Oui. Vamos. Un peu de réussite, on prend. Mais oui, on n'a pas eu de chance contre Leicester. Et voilà, là maintenant, un peu de réussite, ça fait du bien. Le contrôle orienté magnifique de la part d'Asensio. Et derrière, Azevedo, dépassement de fonction, comme d'habitude. 4-1, ça sent très très bon.
Oh là là. Oh, il y a des trous partout. Il y a des trous de partout. Et Clark qui nous laisse dans le match. 4-1 toujours. Pas de 4-2. Ils ne reviennent pas. Toujours 3 buts d'avance. Le dernier quart d'heure du temps. Là, le 5-1, on tue le match. Hein. Même si là, 4-1, il est quasiment. Non, c'est pas mort, c'est pas mort, c'est pas mort. Aïe, je me suis jeté, j'aurais pas dû. Ok, ça va. Il est bien parti ce corner. C'est un corner qui ne va rien donner. Il porte le ballon. Oh, il est passé comme ça, lui. Milinkovic. Oui, bien. Oh, ça va être dedans. C'est quoi ça? Oh, 4-2. On a toujours 2 buts d'avance. Ça devrait le faire. 4 buts à 2. Nouvelle évolution du score. On se régale. Et sur la trajectoire. Oh, Colwill, la puissance. Il est par terre, sortez le ballon! C'est le défenseur central! C'est le défenseur central! Bien joué, Clark! Il est blessé! C'est quoi ça, monsieur l'arbitre? Arrêtez le jeu, non? Ouais, bien tiré ce corner. Ok. Et le ballon parti pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant. Retrait, c'est dangereux. C'est bon, c'est bon. 8 minutes. Je peux tenir, je peux tenir 8 minutes. Je peux tenir. Je peux tenir. Je me fais égaliser, je casse tout. Non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Qui était bien resté vigilant. Tu l'as. Directement sur un adversaire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, bien rattrapé. Bien vu. Bien rattrapé dans les buts. Le banc de touche a eu peur. Ah, mais ils sont combien devant là? Ça a été bien rattrapé. Il y a un pressing énorme. Oh, moi je balance devant. On n'a pas le choix. Oh oui. Wilson. Allez, allez, tue-moi ça. Allez, Sangbin, c'est fini. Fini. Sangbin qui tue le match. Ils ont tout tenté pour revenir en fin de match. J'étais obligé de dégager loin devant. Et voilà, forcément, on a gagné notre duel de la tête. Du coup, il y avait un énorme décalage puisqu'ils étaient tous devant. Et Son qui décale pour Sangbin qui vient défier le gardien. Belle frappe pied gauche. C'est fini. La qualif est là. Moi bon, j'avoue que j'ai un peu paniqué en fin de match, mais voilà, 5-3 tout de même, beaucoup de buts. La qualif les gars, la qualif, mais oui. Et Sangbin, mais que dire de ce joueur, Sangbin, 3 tirs, 3 buts, il est juste trop fort. Il est juste trop fort Sangbin, j'adore. Ça fait du bien, c'est parfait, 10 tirs à 13, ouais ils ont pas mal tiré. Après fallait qu'ils reviennent au score, donc ils ont beaucoup tenté. Bon ils ont mis des buts un peu bizarres. À la fin, mais j'avoue, quand ils sont revenus, je me suis dit, oula, attention, il n'y a plus qu'un but d'avance, je suis capable de me l'encaisser, c'est sûr. Pouh, ça, c'était le match à gagner. C'était les deux matchs les plus importants, donc ça fait du bien. On fera tourner lors de la prochaine vidéo contre Brentford, ici. On est 7e, du coup, il va falloir essayer de remonter un petit peu. On va regarder un peu les autres résultats en Coupe d'Europe. Du coup, oh, tirage plutôt clément pour nous. On tombe contre Salzbourg. Ils ont éliminé qui, Salzbourg? Salzbourg, il a éliminé la Roma. Hein, ah ouais. Il va falloir que je fasse attention. En vrai, il va falloir que je fasse attention. 600 quarts de finale, c'est pas pour rien. Inter-Wolfsburg, ouais, je pense que là, les favoris... Lyon, qui est quand même pas mal. Attention, je vais voir ce qu'ils font faire contre Everton. Mais en vrai, je pense que Lyon peut battre Everton. Valence-Atalanta, match très serré. Nous, on doit passer normalement, mais bon. On sait jamais. Et puis bah après, il reste l'Inter, quoi. Attention à l'Inter aussi. Donc, on verra bien. On verra bien. On va faire un petit rapport d'équipe pour la fin de cet épisode. Meilleur joueur de l'équipe, Tyler, plus 4, 89. 88 pour Asensio, 88 pour Mingson. Lucas Digne, 85. Gorosabel, pareil. Amaral, plus 3, 84. Sangbin, plus 6, 83 de général. Notre Sangbin qui continue d'augmenter. Il ne s'arrête plus, je ne sais pas, avec le potentiel dynamique jusqu'où il peut monter, mais en tout cas, il est très très chaud, il est juste trop fort. Azevedo 82 de général, Hugo 82, Clark 80, il commence à être très très chaud le petit Clark. Par contre, il n'est pas content de son contrat, je te propose un contrat tous les 6 mois, toi. Kyle Walker 80, moins 2, Oko plus 2, 80, Henderson moins 3, Félix plus 1, 78, Sanminkyu 77, le reste, on s'en fiche un petit peu. Le petit Colwill plus 1, 37 buts en 40 matchs pour Sangbin. 37 pions. Je ne me rappelle pas avoir... Après, c'est vrai qu'avec Ekert et autres, il y a des saisons où j'avais mis beaucoup, beaucoup de buts. Pareil avec Timothy Weah, j'avais mis beaucoup de buts aussi. Mais là, quasiment 40 buts. La saison n'est pas du tout terminée.
Et ça va faire une saison incroyable. Saison incroyable pour Sangbin. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode des escrocs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en championnat, bon, on a laissé des plumes, on a laissé des points face à Leicester. Même si on a un match de retard, on peut récupérer notre 5ème place là. On peut récupérer notre 5ème place. Donc ça, c'est parfait, à 51 points. On peut même... Attends, on peut même passer 4ème là. On peut même passer 4ème parce que City, ils ont 29 matchs. Nous, on en a joué que 27. Ok. Ok, ok. Donc, c'est pas mal. En vrai, on peut passer 4ème. Donc voilà, on a laissé des plumes. Mais par contre, en Europa League, on est présent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires en vrai si vous pensez qu'on va gagner l'Europa League ou si on va se faire éliminer contre Salzbourg en demi ou bien en finale, même perdre la finale. Je vais voir ça. On verra ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. Prenez soin de votre famille, c'est le plus important. C'était Flo Knox. Oh man!